Voici comment vous allez pouvoir obtenir du carburant pour l'utiliser dans vos véhicules sur le Lego de Fortnite. Donc pour obtenir du carburant, il vous faudra le schéma du carburant, du biocarburant, que vous allez débloquer dans l'établi. Mais pour le débloquer, ce schéma, il vous faudra obligatoirement du verre et de la biomasse. Dès que vous aurez ces deux ressources, là vous débloquerez le schéma du biocarburant. Ensuite, pour obtenir de la biomasse, il vous faudra obligatoirement un composteur. Le composteur, pour l'obtenir, il vous faudra des planches, de la terre, du sable et de l'engrais. Ensuite, quand vous avez votre composteur, vous allez tout simplement l'utiliser. Et pour chaque os que vous allez placer dans votre composteur, vous obtiendrez 2 biomasses. Donc ça ne fonctionne pas avec la nourriture. La nourriture, ça vous donne juste de l'engrais, si je ne me trompe pas, ou de la terre. Non, je pense que c'est de l'engrais. Donc il faudra obligatoirement utiliser des os. Donc les os, ça vous donnera 2 de biomasse, 1 d'engrais et 1 de terre. Donc là, regardez, j'ai mis une histoire de 40 ou 50 os. 50 os à se faire composter, et franchement c'est très très long à faire. Mais voilà, dès que vous aurez réussi à obtenir 20 biomasse, enfin 50 je pense qu'il en faut, je vais aller vérifier. Je pense que c'est 50 biomasse et 2 verres. Donc les verres, hein, vous les obtenez en utilisant la fonderie, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, vous utilisez la fonderie, et pour obtenir du verre, il vous faut du sable et de la diaphanite. Donc quand vous avez 2 de verre et 50 biomasse, si je me trompe pas, on va vérifier. Mais c'est ça, 50 de biomasse, vous allez pouvoir créer un carburant. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à les mettre dans le moteur de vos véhicules pour l'utiliser. Code créateur SCF.